Vous êtes sur RTL. RTL, le 10h, Quentin Vinet. Mais avant toute chose, nous allons prendre la direction de l'Allier ce matin, où un habitant de Saint-Pourçain-sur-Sioule a décidé de porter plainte après une triste mésaventure au moment du décès de sa mère. Bonjour Agathe Landé. Bonjour. Les pompes funèbres se sont trompées de corps. Oui, c'est une histoire à peine croyable. Imaginez une seconde, la famille endeuillée attend au domicile de leurs proches, le corbillard arrive, les pompes funèbres sortent un corps emballé dans une housse. François Brun et son frère sont là pour accueillir le corps de leur maman, Odette, décédée il y a peu. Le corps est déposé sur le lit. Mais là, surprise macabre, ils ouvrent la housse et réalisent que ce corps n'est pas celui de leur mère, celui qui est allongé sur le lit, mais le corps d'une autre personne. Pour François, c'est alors la stupeur, l'incompréhension. Je lui ai dit, il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe, où est le corps de ma mère? On se fait des films, on dit, mais on nous a emmené cette personne-là, est-ce que le corps de notre mère n'est pas parti ailleurs? Enfin, je sais pas, moi humainement, je trouve que c'est quand même, c'est fou quoi, on vit dans un monde où on vous dit, payer les obsèques, le respect du mort, machin et tout, et il y a de la colère quoi. Finalement, les pompes funèbres ne lui ramèneront le corps de sa mère qu'une heure plus tard. Pendant de longues minutes, il n'a pas su ce qu'il se passait. Personne n'avait l'air au courant, ni les pompes funèbres, ni la clinique où était décédée Odette. Aujourd'hui, François est surtout en colère. C'est pour cela qu'il a saisi la justice et a porté plainte contre la clinique et contre les pompes funèbres. Récit d'Agathe Landé pour RTL.